Hello tout le monde, c'est Morgane et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, je vais tester la perruque de chez RVivi. Si vous connaissez, c'est une marque de perruques luxueuses qui a vraiment de l'effort, que ça soit dans le packaging ou dans la perruque, et je vais vous parler de cette perruque tout de suite. Avant de rentrer dans les détails de la perruque aussi, je voulais vous dire que je ne suis pas sponsorisée par cette perruque là. C'est juste mon avis personnel sur cette perruque et sur cette marque là. Et même pour les autres perruques où je suis en collaboration avec les marques, sachez que c'est toujours mon avis honnête sur les marques. J'ai toujours dit ce que je pensais. Là, c'est le cas aujourd'hui aussi. Donc j'espère que vous allez aimer le reste de la vidéo. Je vais vous montrer comment j'installe cette perruque là. Donc je l'ai installée tout simplement avec un wig grip. Le wig grip, c'est comme un sorte de bandeau en velours qui va agripper la perruque, donc ça va faciliter le port de la perruque et ça va donner aussi une petite sécurité en plus. Et ensuite je vais poser tout simplement ma perruque dessus. Là, j'ai tout simplement collé ma perruque avec le GOT2BE et vous savez comment je pose mes perruques, donc je vous laisse regarder. Comme je vous ai dit, c'est une perruque de chez RVivi, donc une marque que j'adore. Donc j'ai eu cette perruque là il y a quelques mois et j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est une de mes perruques préférées. Donc la texture, c'est du yaki, ça va vraiment imiter les cheveux lissés qui sont déjà texturés comme les cheveux bouclés, crépus, etc. Quand on les lisse, ça donne un petit effet, vous voyez ce que je veux dire, genre un petit peu défrisé, un petit peu lissé avec la texture et tout, j'adore ça. C'est un peu comme du kinky mais en plus souple et j'adore le fini, c'est vraiment proche de la réalité. J'ai déjà commencé à poser ma perruque comme vous avez pu le voir. On voit que la lace est super bien faite. La lace est bien fine, elle se mélange super bien avec ma couleur de peau. Et c'est une lace qui est vraiment indétectable, franchement on la voit à peine. Et pour les baby hairs, là on voit qu'on a des petits baby hairs, c'est vraiment trop joli, je trouve que c'est ni trop ni pas assez. C'est des tout petits baby hairs qui va imiter vraiment nos petits cheveux de l'avant et je trouve que c'est super bien fait. Jusqu'au bout, ils ont réussi à faire quelque chose de très réaliste et j'aime beaucoup ça. Et ensuite, je vais utiliser un peu de spray sur les parties où j'ai pas trop bien coulé ma perruque. Et ensuite, je vais laisser poser sous un élastique pour que ça fonde bien, pour que ça imprègne bien à ma tête. Pour ceux qui se demandent, c'est une 13x6, je pense. Donc il y a quand même pas mal d'espace sur cette perruque là pour faire les raies, etc. Que ça soit à droite, à gauche ou même des tresses collées. Il y a vraiment assez de place pour faire plusieurs coiffures. Pour la raie aussi, c'est super naturel parce que le petit bonnet est cousu dans la perruque avec la teinte que vous voulez. Donc ça aussi, c'est super naturel et ça rend toute l'expérience de la perruque super. Je trouve que cette perruque là est super facile à poser, je pense que c'est par rapport à la lace, vu que c'est une lace très très fine. Je pense que c'est une des seules perruques où j'ai une lace super fine comme celle-ci. C'est quand même un point positif parce que ça se mélange super bien ensuite à la peau.
Là, ce que je vais faire, c'est vous montrer un petit peu le potentiel de la perruque. Et là, je vais tout simplement la coiffer comme je le fais à mon habitude. Je trouve qu'avec cette texture yaki, les petites ondulations vers le bout, ça rend tellement bien. Et vous avez vu qu'il y a un super dégradé. Donc, la perruque arrivait déjà dégradée, mais j'ai rajouté quelques mèches dégradées moi-même. Ça donne du mouvement à la perruque et ça la met super en valeur. Elle est très facile aussi à coiffer et à poser. J'ai pas pris beaucoup de temps. Je pense que j'ai pris peut-être 20 minutes. Pose, coiffure, compris, tout, j'ai pris au moins 20 minutes. Donc c'était très rapide et très simple à faire. Et en plus, elle perd pas beaucoup de cheveux, voire très 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 peu. Et elle s'en mêle pas évidemment, donc c'est des cheveux 100% naturels. Et vraiment, on peut voir que c'est vraiment de la bonne qualité. Disgusting shit. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai partagé une de mes perruques préférées, vraiment. Je suis pas sponsorisée par cette compagnie là. C'est juste que j'aime beaucoup 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 cette perruque là et je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Que ça soit niveau baby hair, je trouve que c'est très bien dosé. Et que ça soit aussi la lace, parce que la lace est super fine, elle se mélange super bien à ma peau. Je n'ai pas mis de fond de teint ou quoi que ce soit. Donc vous avez quand même pas mal de place pour faire vos raies. La lace arrive déjà avec un tissu cousu dans votre perruque pour que ça matche votre crâne. Pas la peine de décolorer les nœuds, etc. Donc voici mon avis sur cette perruque là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez et partagez avec vos proches. Et moi, je vous trouve dans ma prochaine vidéo. Bye bye.